Salut à tous les gens, c'est Brigham et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale. Alors, j'espère que cette vidéo vous plaira et laissez un like, un j'aime, abonnez-vous et commentez. Allez, merci. Bonjour à tous, bienvenue aux Grand News de Brigham, épisode 1. Il y aura plusieurs épisodes. Aujourd'hui, je vous annonce trois nouvelles. Alors, la première est... Alors, le titre, vous allez voir sur l'écran là. Nouveau serveur TeamSpeak 3. Voilà. Et bonne nouvelle, j'ai créé un serveur TeamSpeak 3 qui servira pour des vidéos et à mes nombreux lives. Vous pourrez parler avec moi quand vous voulez et en plein live aussi. Ça sert à ça aussi. Alors n'hésitez pas, installez TeamSpeak, le lien de téléchargement dans la description. TeamSpeak, si vous ne l'avez pas, bien sûr. Si vous ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. L'IP du serveur, pardon, et va s'afficher tout de suite sur votre écran. Voilà. Et voilà. C'était la première nouvelle. On passe à la deuxième nouvelle. Alors, la deuxième nouvelle, c'est que je recherche des modérateurs Twitch. Alors, pour s'inscrire, vous devez laisser un commentaire sur cette vidéo avec les critères requis ci-dessous. Premier critère, avoir au moins 13 ans. C'est un peu mon âge. Alors, je préfère avoir au moins 13 ans. Voilà. Avoir un PC correct. Ça va. Alors ça, la condition là, elle est peut-être pas trop obligatoire pour certains jeux, c'est d'avoir Garry's Mod. Mais ça, c'est pas très obligatoire. On en verra plus après du journal. Alors, après, c'est être follow de la chaîne Twitch. Si vous voulez être modérateur, faut être follow sur ma chaîne Twitch. Sinon, ça n'a aucun rapport. Voilà. Après, il faut avoir un compte TeamSpeak. TeamSpeak, voilà. Et avoir mis le serveur de Brigham en favori. Le serveur l'IP que je vous ai donné, que je vous redonne tout de suite, là. Vous le mettez en favori, voilà. Il faut regarder des tutoriels et tout pour savoir. Voilà. Et aussi, règle importante, c'est au cas où pour moi, c'est pour mes lives. Avoir OBS en cas de crash de mon PC. Pour pouvoir reprendre le relais jusqu'à la résolution de mes problèmes. Voilà. Au moment de crash de mon PC. Comme ça, si vous êtes modérateur et si je vous donne la permission, vous reprendrez le live. Et voilà. Ça, c'est des petites configurations que j'ai encore à voir. Je sais pas trop comment on fait, mais ça, on verra. Ça, la règle-là, elle est pas trop obligatoire. Alors vous devez respecter les règles pour être modérateur. C'est vrai que vous avez entendu. Vous devez les respecter pour être modérateur. Et plus tard, vous serez peut-être admin. Ou super modérateur, je crois. Je me souviens plus. Mais vous serez montré de garde. Voilà. De grade, pardon. Voilà. C'est fini pour la deuxième info. Passons à la troisième. C'est parti. Et la troisième info et toute dernière info est la chance du débutant. Alors, je vais vous raconter mon histoire. Alors, c'était lundi. Attendez. Non, c'était dimanche. Dimanche soir. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. Alors, je ne savais pas quoi faire. Je m'étais parti m'amuser sur Twitch. M'amuser à follow les pas, les chaînes Twitch, faire envoyer des petits messages, etc. Voilà. Et je suis tombé sur une chaîne Twitch qui m'a très bien plu. Le nom de sa chaîne sera là ici sur votre écran. Il s'appelle La Laser. Alors La Laser, c'est un streamer. J'aime bien. Je l'aime bien. Il stream sur Garry's Mod.
Je l'aime bien. Et le soir même, alors le soir même, j'avais. Le soir même, j'avais. J'en reviens pas. Il avait fait un livre. Ah ouais. Pour ceux qui savent, c'est. On fait un raid. Après avoir fait le raid, il fait un concours pour gagner des jeux. Et la chance a tourné. Elle a tourné sur moi. Et je n'ai pas. Je l'ai pas cru. J'ai gagné une clé Steam. Un compte Steam qui ne se servait plus. Sans virus, bien sûr. Évidemment. Et grâce à ce streamer, j'ai Garry's Mod. Que j'attendais très volontiers. Alors, je vais vous dire, j'ai Garry's Mod. CS Go. Payday 2. Et d'autres jeux. Jouer avec moi sur Steam. Maintenant, je parlerai plus avec Skype. Malheureusement, pour ceux qui ont Skype, je ne parlerai plus pour l'instant sur Skype, mais beaucoup sur TeamSpeak. C'est pour ça que je vous demande si vous voulez parler avec moi d'avoir TeamSpeak. Voilà, pour ça. Alors, je vous explique. Il y aura des concours pour choisir les candidats gagnants pour les postes de modérateur. Alors, je crois que c'est dans une prochaine vidéo, oui. Je ferai dans une prochaine vidéo. Vous balancerez le lien là sur la description de la vidéo. C'est un site où on peut marquer un concours, quelque chose comme ça. C'est une sandbox, je crois. Et vous répondez avec vos réponses. La réponse 1, la réponse 2, la 3, etc. Et après, choisis mon moment que je veux. Par exemple, le jeudi à 20h, par exemple, c'est un exemple. Et je choisis le premier critère, avoir beaucoup de réponses. Et je choisis le modérateur. Voilà. Alors, je ferai beaucoup avec ça. Par exemple, en live, je choisirai peut-être mes jeux, voilà, etc. Voilà. Bon, voilà. C'est déjà la fin de l'épisode 1 du Grand News de Brégame. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ce genre de vidéo comme ça vous plaît. S'il vous plaît, laissez un like. S'il vous plaît pas, laissez un dislike. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur cette vidéo. Abonnez-vous et faites ce que vous voulez. Allez, comment dire en japonais? Ciao à tous.